L'actualité politique française quand même vous rattrape, même ici à Madrid. Je parlais de Nicolas Bay à l'instant, qui est ambigu sur le soutien qu'il vous tiendra. Moi, je réponds pas. Je n'ai pas eu l'occasion de voir Nicolas Bay, car j'étais en train, encore une fois, de débattre de choses éminemment importantes. Mais de manière générale, et ce propos ne vise pas Nicolas Bay, mais de manière générale, ceux qui veulent partir, partent. Mais ils partent maintenant. Vous voyez ? Parce que ce qui est insupportable, c'est la taqiya, en quelque sorte, qu'ils reprochent eux-mêmes aux islamistes, vous voyez ? Voilà. Donc la taqiya, c'est la dissimulation. Donc moi, je considère qu'on peut, encore une fois, changer de camp, mais il faut le faire maintenant. Parce que nous avons 70 jours avant un événement majeur pour l'avenir des Français, et avoir des gens qui aujourd'hui font semblant d'être ici alors qu'en réalité leur cœur ou leur esprit est ailleurs, c'est insupportable. C'est un manque total de dignité, de respect à l'égard de l'ensemble de nos militants qui se battent, eux, avec conviction, avec cœur, avec courage, mais aussi l'ensemble de nos électeurs auprès de qui nous devons avoir un comportement de loyauté, de moralité. Parce que c'est ça aussi qu'attendent les Français. C'est pas seulement des décisions politiques. C'est aussi un changement de l'état d'esprit des dirigeants politiques. Vous voyez ? Merci beaucoup.